Pour ouvrir la fête de la ville, Villeneuve-la-Garenne ouvre la fenêtre sur l'art. Et l'art, c'est la fête. Alors la fête de la ville à Villeneuve-la-Garenne s'ouvre sur ces écritures de plasticiennes et de plasticiens. Hélène Ourmade, vous verrez des photos qui sont tout autour de la grille de la belle maison du centre culturel Max Juclier. Il m'a semblé que je me trouvais dans un élément tout à fait favorable à mes images. Ça m'intéressait d'être ici. À l'intérieur, vous verrez aussi Constanza Aguirre qui travaille avec de l'encre sur des personnages arrêtés dans leur mouvement. Constanza a travaillé avec des centaines d'enfants de Villeneuve-la-Garenne. Ça s'est passé très bien. C'est vrai que c'était la première fois où j'avais travaillé avec de si petits élèves. Ils sont, comme on dit, des véritables poètes. Il y a au milieu les œuvres de Francine Sidou, donc qui sont des œuvres peintes sur tempora. Dans chaque tableau, il y a une histoire. Histoire de la vie, histoire imaginaire, histoire d'embêter le monde. Et enfin, dans le dernier salon, des œuvres quasiment blanches de Timothy Perkins, un plasticien franco-américain. Ça ne me dérange pas du tout les gens qui entrent dans l'espace et qui voient des toiles blanches et des feuilles de papier sous verre et qui partent en disant voilà, l'art contemporain, ça ne m'intéresse pas. Cette année, la thématique, c'est figure du temps. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a trois salles et qu'à chaque fois, on donne l'une des salles à chacun des artistes. Le travail avec les enfants, il avait relation avec le thème de la Biennale, figure de temps. Et c'est la première fois que tu viens ici? Tu trouves ça bien? Très bien. Je me suis fait des copains. Il y avait plein de gens qui étaient là. J'ai vu mon frère qui a fait des bonhommes. Et aussi, j'aime bien les bonhommes en mots comme ça, là. Traverse est née officiellement le 5 juin 2004 à Nanterre. En 2005, l'inspecteur d'académie de l'époque, qui était Jean-Michel Civiril, a souhaité que Traverse s'étende sur le territoire et devienne en fait quelque chose qui s'ancre dans les différentes villes, là où les élèves travaillent et vivent. J'ai vu les décorations des trois petits cochons qui sont là-bas. Et le loup, il est sur la cheminée. Et qui c'est qui a fait ces décorations? C'est la classe 4. C'est un film en plein air. Le film s'appelle L'agneau au musée. Ça fait bizarre parce que normalement les cinémas c'est dans une salle. Et là on va pas s'asseoir sur des choses, on va s'asseoir par terre.